plus, ça me rappellera les gauches. Le sapin, les géranières, les 10-52, en deux chevaux, avec le J qui allait sur ses 3 ans, les petits barbes en rouge. Et nous, allons les sapins, avec cette odeur de sapin et les aiguilles qui piquaient les fesses. Alors j'y tenais au sapin, géranière, c'était pas Saint-Tropez. D'accord, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire à Saint-Tropez alors que là, on avait les sapins. Et Roger, si j'avais pas serré les cordons de la corde, de la bourse, jamais on aurait pu aller à Gérardmer. Lui qui rêvait de Saint-Tropez et des nichons qui se promènent à poil à Saint-Tropez. C'est comme pour la deux chevaux. Si j'avais pas dit, maintenant, stop, après le boulot, tu t'arrêtes pas chez la mère Pascal, pourtant j'étais un petit dernier, qu'à la fin les petits font une grande ardoise, jamais on aurait pu se l'offrir la deux chevaux. Et donc Gérardmer encore moins, et les sapins non plus. Et lui, non, dès que je lui tourne le dos, hop, du chêne, au prix du chêne. Et en plus, la gaine en matière synthétique, alors que je l'avais bien dit, alors ça je l'avais dit, hein. Au fond, dans l'armoire à droite, tu trouveras le linceul que j'ai brodé l'été 52, vu que les sapins m'y avaient fait penser. Et lui, non, gaine et chaîne. Non mais, un fou le Roger, hein, un faible. Dès que je lui tourne le dos, hop, il compte plus. Du chêne, au prix du chêne. Alors que j'avais demandé du sapin, juste du sapin. La maman à elle, l'Albert, on l'a mis sur la maman. Et quand le Georges est venu, on l'a mis sur l'Albert. Et quand la fille de Georges est arrivée, on l'a mise dessus, avec la Christine et la Marie, qui étaient déjà sur le Georges. Et moi, pour le moment, bah, je suis tout dessus.